Il y a les casseurs. Bon, les gilets jaunes ici sont arrivés très très calmement. Les policiers sont de chaque côté, en silence. Pour l'instant, ils ne se manifestent pas. Ils laissent la manifestation se faire ou se terminer. Et tous les gilets jaunes se réunissent en bas de la Tour Eiffel. Je rigole, bien sûr. Je sais très bien que c'est l'Arc de Triomphe. Oui, j'ai déjà croisé. Il me semble que les revendications sont bien claires ici. C'est une révolution que ces gens veulent. Sa mère la pute.
Ça, c'est l'équipe de BFM TV. Bon, ce qui arrive souvent dans les manifs, c'est que là maintenant on est encerclé. Il y a la police, regardez là. Tout au long de la place, ils sont en train de fermer. À tel point. La police est partout. Ça là-bas, c'est les motards. Vous voyez leur casque blanc là, c'est que des motards, la police. Donc là, on est encerclé. Et bientôt, ça va être difficile de sortir. Ça va, c'est pas trop dur? Vas-y, arrête. Pourquoi? Arrête. Ouais. Thank you.
Un délire. Hey, George Clooney. Dispersion dans le calme, pas de violence. Ça va? Eh ben parfait. Déposséder la nation de tout ce pour quoi les Français ont travaillé. Bientôt, plus personne ne pourra payer vos salaires. Sachez-le, le président Macron, qui est notre employé, comme vous-même, vous êtes nos employés. Alors, vous êtes payés, vous êtes payés avec vos impôts, vous n'êtes pas là pour nous taper dessus. Et la
La Constitution française dit que les forces de l'ordre ne sont pas là pour servir les intérêts. Un tir de flashball dans la tête à 100 000 euros. Un tir à 100 000 euros. Puisque vous êtes payé pour tirer, vous êtes payé pour exercer ce que vous voulez. Même si vous n'êtes pas calculé, je sais pas et faire en sorte que le citoyen soit plus impliqué via le référendum d'initiative citoyenne dans la vie de ce pays. Vous pensez que ça pourrait être répondu avec les nouvelles mesures ? C'est les trois plus grosses revendications. Après, il y aura énormément de revendications derrière. Il y a plein de choses dans tous les corps politiques qui n'ont pas. Et sachez que c'est terminé. Il m'a grillé.